إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ربنا تبارك وتعالى أنزل القرآن العظيم بالحق ولأجل الحق وليعمل بالحق، فقال سبحانه وتعالى: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. La louange revient de droit à Allah. Nous louons, demandons son aide et son pardon. Nous le demandons également afin que nous l'implorons afin qu'il nous épargne les maux de nos propres personnes et des mauvaises conséquences de nos actes. Celui qu'Allah guide, personne ne pourra l'égarer. Quant à celui qui l'égare, personne ne pourra le guider. Et je témoigne que le seul qui est adoré en droit est Allah, unique, sans partage, et comme Mohammed et son esclave et son messager. Vous autres croyants, prenez vos gardes vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et faites en sorte de ne mourir qu'en étant musulmans. Vous autres les gens, prenez vos gardes vis-à-vis d'Allah, lui qui vous a créé à partir d'une seule âme, et à partir d'elle, il a éparpillé de nombreuses personnes, hommes et femmes, et craignez Allah par lequel vous demandez, ainsi que le lien familial qui vous unit. Vous autres croyants, prenez vos gardes vis-à-vis d'Allah et prononcez des paroles droites. Ainsi, Allah améliorera vos actions et pardonnera vos péchés. Et celui qui obéit à Allah subhanahu wa ta'ala aura certes réussi. La meilleure des paroles est sallallahu subhanahu wa ta'ala. Le meilleur des enseignements est celui de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et les pires des choses sont les choses inventées, c'est-à-dire dans la religion. Et toutes les choses inventées se nomment innovation, et toute innovation est un égarement, et tout égarement mène en enfer. Notre Seigneur a révélé le Coran et l'a fait descendre avec la vérité, et pour la vérité, et pour que la vérité soit appliquée. C'est ainsi qu'il dit, c'est avec la vérité que nous l'avons descendu, et par la vérité qu'il est effectivement descendu. فليس هناك إلا حق أو ضلال. Il n'y a donc en fait que soit la vérité, soit l'égarement. وقال الله عز وجل فالحق أحق أن يتبع. Et la vérité mérite le plus d'être suivie. وقال فماذا بعد الحق إلا الضلال. Il dit également, qu'y a-t-il à part l'égarement lorsque la vérité ou lorsque la vérité est mise de côté. إذن ليس في حياتنا إلا حق أو ضلال إن لم يكن هذا
حقا فهو ضلال وإذا ما كان ضلالا فهو حق. Il n'est donc dans notre vie que deux choses, soit la vérité, soit l'égarement. Si la chose en question n'est pas une vérité, c'est un égarement. Et si ce n'est pas un égarement, c'est une vérité. ويجب علينا أيها الإخوة أن نبحث عن الحق. Nous avons le devoir, mes chers frères, de rechercher cette vérité. والحق يعرف بالدليل بالدليل عليه أنه حق. Et la vérité est connue grâce aux indices qui nous montrent que cette chose est une vérité. لا بد من البحث عن الحق. Et cela est une nécessité de rechercher la vérité. لا بد من الحرص على أن نكون بين أهل الحق. On doit tout mettre en œuvre pour faire partie des gens qui suivent la vérité. لأننا إذا ما كنا بين أهل الحق فسوف نكون بين أهل الضلال. Sinon, si nous ne faisons pas partie des gens de la vérité, nous ferons partie des gens égarés. وأهل الحق في الدنيا هم أهل السعادة في الدنيا وفي الآخرة. Et les gens de la vérité sont les gens heureux aussi bien sur terre ici-bas que dans l'au-delà. وهم أهل الجنة في الآخرة. Et dans l'au-delà, ils feront partie des gens où ce seront eux les gens du paradis. وأهل الباطل وأهل الضلال في الدنيا هم أهل الشقاوة في الدنيا والآخرة. Et les gens du faux, qui suivent le faux et qui sont égarés, sont les gens qui seront les malheureux sur terre et dans l'au-delà. وأهل الضلال هم أهل النار. Et les gens égarés sont les gens de l'enfer. رجل من أولي العزم. Il y avait un homme parmi ceux qui étaient doués de fermeté. فيه أسوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Qui sert d'exemple après le prophète صلى الله عليه وسلم. رجل بحث عن الحق منذ نعومة أظفاره. Un homme qui dès son plus jeune âge a été en quête de la vérité. منذ أن كان طفلا صغيرا. Depuis son enfance. بحث عن الحق. Il a recherché la vérité. فهداه الله إليه. Et Allah l'a guidé vers cette vérité. والله سبحانه وتعالى يهدي من يبحث عن الحق. Et Allah guide les personnes qui cherchent à connaître la vérité. إنه سلمان الفارسي. Il s'agit de Salman le Perse. من أهل فارس التي هي إيران الآن. Donc il est originaire de la Perse qui est aujourd'hui l'Iran. من بلدة أو مقاطعة تعرف بأصبهان. D'une région qui est connue sous le nom de Isfahan. ومن قرية في أصبهان تسمى جي. Plus particulièrement d'une ville qui s'appelle Jai dans en Isfahan. وكان على دين أبيه. Il avait donc la même religion que son père. ودين أبيه المجوسية وهي عبادة النار. C'est-à-dire le zoroastrisme qui consiste à adorer le feu. وكان أبوه قد أوقف سلمان الغلام الصغير لبيت النار ليمد النار بالحطب لئلا تخبو لئلا تنطفئ. Son père l'avait entièrement voué au temple du feu. Il avait pour tâche d'alimenter ce feu afin qu'il ne s'éteigne pas. وما فكروا أنهم هم الذين يمدونها ليطول عمرها وبدونهم انطفأت. يعني إلههم مات. ما فكروا في هذا. Ils n'ont pas pensé au fait que ce sont eux-mêmes qui alimentent ce feu et que sinon ce feu, c'est-à-dire leur Dieu, meurt. Ils n'ont pas pensé à cela. ولكنه الضلال. C'est en fait l'égarement. والضلال إمامه الشيطان إبليس. À la tête duquel il y a le diable Iblis. وأولياؤه من الشياطين. Ses proches parmi et les autres diables qui sont ses proches. أهل الضلال شياطين الجن وشياطين الإنس. Les satans parmi les djinns et les satans parmi les êtres humains également sont les gens de l'égarement, de l'égaré. كان والد سلمان دهقان قريته العمدة كبير القرية كان الزعيم. Et le père de Salman était le chef de sa ville. وكان غنيا ذا أراض وأموال. C'est quelqu'un de riche qui possédait des terres et différentes sortes de biens. ومزارع. Et des champs.
وكان يحب سلمان حبا جما. Il aimait son fils Salman à la folie. لا يتحمل فراق ولده سل أو فراق ولده سلمان. لا يتحمل. Il ne supportait pas de le quitter. وفي يوم من الأيام قال والد سلمان لابنه الصغير: يا سلمان إني مشغول في بنيان لي في بناء، فاذهب إلى الضيعة الفلانية مزرعة. وأوصاه ببعض الأمور ليعملها في المزرعة. Et un jour, le père de Salman dit à son fils: je suis occupé à construire dans une construction, et il l'a envoyé dans une ferme afin de s'en occuper. وكان سلمان مطيعا لأبيه. Salman obéissait à son père. وسلمان لا يكذب. Et il ne mentait pas. لا يعرف الكذب. Il ne savait pas mentir. ولا يحب الكذب. Il n'aimait pas non plus mentir. ولا يحب الكذابين. Il n'aimait pas non plus les menteurs. أهل الحق لا يكذبون. Et les gens qui sont sur la vérité ne mentent pas. أهل الحق يكرهون من يكذب. Ils détestent ceux qui mentent. الحق صدق. La vérité, c'est la véracité. وأهل الحق صادقون. Et les gens de la vérité sont véridiques. ذهب سلمان مطيعا لأبيه إلى الضيعة. إلى المزرعة لينفذ أوامر أبيه. Et donc Salman s'est rendu à la ferme pour mettre à exécution les ordres de son père. وبينما هو في الطريق إلى المزرعة فإذا به يسمع ترانيم في كنيسة للنصارى ويذكرون اسم الله الخالق. لأول مرة يسمع اسم الله الخالق. وكانوا موحدين على دين عيسى ما كانوا مثلثين. Et sur sa route, sur son chemin, il a entendu une mélodie qui provenait d'une église dans laquelle se trouvaient des chrétiens qui évoquaient le nom d'Allah, le Créateur. Ils étaient à l'époque monothéistes et ils ne connaissaient pas la Trinité. دخل سلمان الكنيسة. Il est donc entré dans cette église. وسمع موعظتهم. Il a écouté le discours. وأعجب بما سمع. Cela lui a plu. وسأل وأهل الحق يسألون. Il a posé la question comme cela et le fait comme le font les gens de la vérité. يسألون عن الحق. Il pose des questions au sujet de cette vérité. وأماكن الحق. Et au sujet des lieux où se trouve cette vérité. وأهل الحق. Et les gens qui suivent cette vérité. وما هو الحق بدليله. Quelle est cette vérité preuve à la pluie. سأل سلمان أين أصل هذا الدين. Salman a demandé quelle était l'origine de cette religion. أين منبعه أساسه. D'où cette religion provient. Quelle en est la source. فقالت النصارى بأرض الشام بفلسطين ببيت المقدس. Les chrétiens ont dit à Jérusalem au Shem, c'est-à-dire dans la grande Syrie, بيت المقدس. هي Jérusalem. À Jérusalem. أرض الشام. Dans la terre de la qui se nomme Shem, c'est-à-dire la grande Syrie en Palestine. وتأخر سلمان على أبيه. سلمان est arrivé en retard. تأخر لأن كل ذرة في جسده انشغلت بما سمع من الحق. Il a été retardé car chaque atome de son corps a été influencé par la vérité qu'il a entendue. ما تعمد معصية أبيه. N'est pas pour intention de désobéir à son père. وأخذ يقارن بين الدين الذي سمع عنه وهو حق وبين ما هم عليه من ضلال. أخذ يقارن بفطرته الصحيحة السليمة. Il s'est mis à établir une comparaison entre cette religion et la religion de son père sur laquelle ou qui suivait donc. Et avec son fond pur, il s'est mis à comparer entre les deux. تأخر سلمان على والده ولم يذهب إلى المزرعة. Il a donc pris du retard et il ne s'est pas rendu à la ferme. وانشغل أبوه على ولده وعلم أنه لم يذهب إلى المزرعة. وأخذ يبحث عنه ويرسل الناس أين سلمان أين سلمان ابحثوا لي عن سلمان.
Et donc, lorsque son fils a pris du retard, il s'est mis à se mettre à sa recherche et à demander aux gens où se trouvait son fils, où se trouve mon fils, où se trouve Salman, où se trouve Salman. وبعد أن غابت الشمس رجع سلمان إلى والده. À la tombée de la nuit, Salman est revenu vers son père. أهل الحق ماذا؟ لا يكذبون. Et les gens de la vérité, comme on a dit, ne mentent pas. قال له أبوه أين كنت يا سلمان؟ Son père l'a demandé où tu étais Salman. فقال له الصدق. Il a dit la vérité. قال بينما أنا ذاهب إلى الضيعة المزرعة فإذا بي أسمع ترانيم مواعظ النصارى في كنيسة لهم فدخلت فوالله ما زلت عندهم حتى الآن. Il lui a dit sur ma route j'ai entendu la mélodie des chrétiens et je suis resté avec eux jusqu'à maintenant. Il n'a pas menti. فإذا بأبيه يقول له يا بني ليس في هذا الدين من خير دين النصارى هذا وكانوا على التوحيد قال أبوه له ليس في هذا الدين من خير. Et son père lui a dit dans cette religion, c'est-à-dire la religion des chrétiens, ils étaient à l'époque monothéistes, il lui a dit il n'y a aucun bien à tirer de cette religion. وهكذا أهل الضلال يقولون عن الحق ليس بخير. Et c'est la manière de faire des gens qui sont égarés. Ils disent au sujet de la vérité qu'il n'y a aucun bien dans cette vérité. Alors que les gens de la vérité ne mentent jamais. قال سلمان بلى إنه خير من ديننا. Il dit au contraire, la religion est meilleure que la nôtre. فقال أبوه ليس في هذا الدين من خير. Son père a répété, il n'y a aucun bien à tirer dans cette religion. وتغير على ولده. Et il a changé vis-à-vis de son fils. الذي يحبه حبا جما. Qu'il aimait à la folie. ووضع القيد في رجله الحديد. حبس ولده لأنه أخذ يبحث عن الحق أو عرف الحق. فحبس ولده بالحديد وضع الأغلال في قدم سلمان. Et là il a enchaîné son fils par les pieds, car son fils commençait à chercher la vérité et a même découvert la vérité. وصبر سلمان. Et s'est montré endurant, son fils, Salman. وأهل الحق يصبرون على أهل الضلال وأهل الباطل. Et les gens de la vérité sont endurants face aux gens qui sont égarés, les gens du faux. ولكن أهل الحق يفكرون. Et également ils réfléchissent. لأنهم عن الحق يبحثون. Ils recherchent cette vérité. فأرسل سلمان صديقا من أصدقائه إلى النصارى في الكنيسة وقال لهم إذا جاءت قافلة من التجار من أهل الشام من بيت المقدس فأخبروني. Il a envoyé un de ses amis à l'église afin de leur dire si vous savez qu'une caravane se dirige vers Jérusalem en terre de Cham, eh bien, informez-moi. وبعد فترة أرسل النصارى إلى سلمان أن قافلة من أهل الشام جاءوا للتجارة. Et après une certaine période, ils ont envoyé quelqu'un voir Salman et lui dire que effectivement il y avait une caravane qui venait du Cham afin de vendre et acheter. فأرسل إليهم سلمان مرة أخرى قائلا إذا فرغوا من تجارتهم التجار عندما يأتون ببضاعة يبيعونها ثم يشترون بضاعة أخرى ثم يتأهبون يأخذون استعدادهم لأجل العودة فقال لهم سلمان إذا أخذوا أهبة استعدادهم يعني في طريق العودة يقولون غدا في الصباح سنسافر فأخبروني بعد أن يبيعوا البضاعة وبعد أن يشتروا بضاعة أخرى وبعد أن يهيئوا أنفسهم للسفر يعني في اللحظة الإيش الحاسمة قال إذا أخذوا أهبة استعدادهم فأخبروني. Ensuite Salman a envoyé quelqu'un leur dire lorsque cette caravane aura terminé de vendre la marchandise puisque les caravanes qui viennent pour le commerce apportent avec eux une marchandise ils la vendent ensuite ils rachètent une autre marchandise
et se prépare pour repartir. Et donc Salman leur a dit, au moment précis où vous allez repartir, c'est-à-dire le moment crucial, informez-moi. وأخبر سلمان إن القوم مصبحون على السفر، يعني في الصباح بعد الفجر سوف ينطلقون عند طلوع الشمس قبل ذلك في طريق العودة إلى بلاد الشام. Et on a informé Salman en lui disant demain matin un peu avant le lever du soleil, un peu avant l'aube, eh bien ils vont prendre le chemin du retour. فكسر سلمان الحديد. سلمان a brisé les liens de fer. لا يقف شيء أمام أهل الحق. Rien ne peut faire face aux gens de la vérité. ولو الحديد. Même le fer. ولو كل أهل الباطل وأهل الضلال. Même si tous les gens égarés se mettaient en face d'eux pour les empêcher, pour en faire obstacle. كل ذرة في جسد سلمان تبحث عن الحق وأهل الحق. Chaque particule dans le corps de Salman recherchait la vérité, recherchait les lieux où se trouvait cette vérité et recherchait les gens qui suivaient cette vérité. Et il a voyagé avec cette caravane. Et il a rejeté cette vie ici-bas. Il l'a répudié une fois pour toutes. Il a quitté la richesse de son père. ومزارعه العظيمة الشاسعة. Il a quitté ses grands et vastes champs. والمناصب والألقاب. هو غني ابن غني. زعيم ابن زعيم. كبير ابن كبير. Il a quitté les hautes places et les hautes زعيم ابن زعيم. غني ابن غني. C'est quelqu'un, fils de quelqu'un. C'est un chef, fils de chef. Il a quitté toutes ses distinctions. Il a quitté tout cela pour la vérité. Car la vérité mérite le plus d'être suivie. Malgré son jeune âge. Mais Allah l'a aidé et lui a permis de réussir afin de rechercher cette vérité, car il était en quête de cette vérité. Il a délaissé la religion de l'égarement, qui consiste à adorer le feu, à adorer quelqu'un d'autre qu'Allah. Et il a donc quitté ce lieu avec la caravane vers la source même de la religion qui se trouvait à Jérusalem en Palestine. سافر على الناقة. À dos de chameau. في الحر وفي القر. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. وآلاف الكيلومترات. En traversant des milliers de kilomètres. حتى وصل إلى بلاد الشام، وصل إلى أرض فلسطين إلى بيت المقدس. Jusqu'à atteindre Jérusalem, en terre de Shem, à Jérusalem, en Palestine. ولما وصل إلى أرض الحق سأل عن أهل الحق. Et lorsqu'il a atteint la terre de la vérité, il a interrogé au sujet des gens de la vérité. فقال لأهل بيت المقدس من أعلم أهل هذا الدين. سأل في البداية عن أصل ومنبع هذا الدين. فوصل إلى المنبع إلى الأصل، فلما وصل إلى المنبع سأل عن الأعلم، من أعلم أهل هذا الدين؟ Il avait au début interrogé au sujet de la source de cette religion. Et une fois qu'il a atteint la source même de cette religion, il a interrogé afin de savoir qui était le plus savant dans cette religion. فقالوا الأسقف في الكنيسة، الكبير، كبير العلماء النصارى. Et ils m'ont dit al-usquf, il me semble que c'est le laqab fil kanisa, patriarche ou le prêtre qui se trouve dans telle église. هو الكبير. C'était la référence. كالبابا. Comme le pape, un patriarche. فذهب إليه سلمان. Salman s'est rendu auprès de lui.
فقال له هل تقبلني أن أعبد الله معك وأن أتعلم منك على أن أخدمك، يعني أن أكون مثل ولدك وأقوم على خدمتك على أن تعلمني وأعبد الله عز وجل معك. Il lui a dit, est-ce que tu acceptes que je reste avec toi à adorer Allah en contrepartie de mes services, c'est-à-dire que je serai avec toi comme un fils et je serai à ton service et en contrepartie tu m'apprends cette religion et j'adore Allah avec toi. فقبله الأسقف قال ادخل معي. Et le patriarche a accepté, lui a dit viens avec moi. قال سلمان وكان رجل سوء. سلمان a dit c'était quelqu'un de mauvais. هذا الأسقف قال سلمان وكان رجل سوء. أهل الحق يعرفون الحق بدليله ويعرفون ضد الحق بدليله. لماذا قال سلمان عنه كان رجل سوء؟ لابد أن يكون عنده دليل وإلا يكذب، وسلمان لا يكذب لأنه يبحث عن الحق، فأهل الحق لا يكذبون. إذن لماذا قال هذا؟ هناك الدليل. Et donc il a dit que cet évêque était quelqu'un de mauvais car les gens de la vérité ne mentent pas et reconnaissent les gens qui sont sur la vérité, preuve à l'appui. Et il les différencie des gens qui sont égarés, également preuve à l'appui. Et donc, puisque Salman ne ment pas, comme cela est la caractéristique des gens de la vérité, et qu'il a dit que cet évêque était quelqu'un de mauvais, et c'est-à-dire donc qu'il y a une preuve qui permet de l'affirmer. قال سلمان وكان رجل سوء كان يأمرهم يأمر النصارى بالصدقة ويكتنزها لنفسه ولا يعطيها الفقراء والمساكين. Il dit c'était quelqu'un de mauvais puisqu'il demandait aux gens de donner de l'argent en charité, puis après il a gardé cet argent pour lui-même au lieu de donner cela aux pauvres et aux nécessiteux. يعني يأكل أموال الناس بالباطل. C'est-à-dire donc il consommait l'argent des gens de manière illicite. يعني يكذب. Et donc il mentait également. قال سلمان فأبغضته بغضا جما. سلمان a dit je l'ai détesté d'une manière extraordinaire. هكذا أهل الحق يبغضون أهل الضلال. Et les gens de la vérité détestent les égarés. هكذا أهل الصدق يبغضون أهل الكذب. Également les véridiques détestent ceux qui mentent. ثم مات الأسقف. Cet évêque ensuite a rendu l'âme. وقام النصارى على دفنه أرادوا أن يدفنوه. Et les chrétiens ont donc voulu l'enterrer après sa mort. فقال لهم سلمان لا يكذب. فقال لهم إن صاحبكم كان رجل سوء سب شيخهم علمهم. ها في نظرهم إن صاحبكم كان رجل سوء وهو ميت قبل أن يدفن. Et avant qu'il ne l'enterre, il leur a dit un tel était quelqu'un de mauvais, c'est-à-dire qu'il a dit du mal de leur cher, soi-disant, c'est-à-dire selon eux. فقال قالوا له وما علمك بهذا توعدوه إذا ما أتيت بالدليل سنفعل بك ونفعل. Et ils ont dit comment est-ce que tu peux affirmer cela, c'est-à-dire qu'ils l'ont menacé que si il ne pouvait prouver cela, eh bien ils allaient s'en prendre à lui. فقال سلمان كان يأمركم بالصدقة ويكتنزها لنفسه. سلمان leur a dit oui, il vous demandait de donner de l'argent en aumône et puis ensuite il l'a gardé pour lui. فقالوا له وما علمك بهذا أيضا. Et lui ont dit comment est-ce que tu pourrais prouver cela. قال أنا أريكم. Et leur a dit je vais vous montrer. هلم معي. Venez avec moi. بالدليل. Il y a la preuve à l'appui. قال احفروها هنا. Il leur a dit creusez ici, cet endroit-là. فحفروا في الأرض فأخرجوا سبع قلال مثل زير المي. سبع قلال من الفخار مملوءة ذهبا وفضة. Ils ont creusé, ils ont sorti sept jarres pleines d'or et d'argent. بالدليل. Donc la preuve était à l'appui. فغضب النصارى. Les chrétiens se sont mis en colère. ورفضوا أن يدفنوا الأسقف الميت.
et ils ont refusé d'enterrer cet évêque mort. وصلبوه. Et ils l'ont crucifié. وهو ميت. Bien qu'il soit mort. ورجموه بالحجارة. Et ensuite ils l'ont lapidé. من غلهم من غيظهم. Poussé par leur colère. قال سلمان وجاءوا برجل مكانه. سلمان a dit ensuite ils l'ont remplacé. فقال ما رأيت خيرا منه. سلمان dit je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi bien. بعد الصحابة. Après les compagnons. كان خيرا طيبا يتبع الحق لا يكذب. C'était quelqu'un de bon, quelqu'un de bien qui suivait la vérité sans mentir. قال له سلمان هل تقبلني على أن تعلمني وأعبد الله معك على أن أقوم على خدمتك؟ سلمان lui a dit est-ce que tu acceptes que je sois à ton service en contrepartie de ce que tu m'apprendras؟ أحبه سلمان حبا جما. سلمان l'a aimé passionnément. وقبله أن يكون عنده ورأى من صفاته الحميدة أنه يحب الحق ويعمل به ويدعو الناس إليه ولا يأكل أموال الناس بالباطل. L'évêque l'a accepté afin qu'il reste à ses côtés et Salman a vu que cette personne ordonnait aux gens de faire le bien et lui-même l'appliquait et qu'il ne mentait pas. وبعد سنين طويلة جاءه الموت للأسقف. Après de nombreuses années, cet évêque a décédé. فأتاه سلمان وهو يحتضر ينازع فقال إلى من توصي بي. سلمان est venu le voir sur son lit de mort alors qu'il était à l'agonie et il lui a dit qui me recommandes-tu. وأهل الحق يعرف بعضهم بعضا. Et les gens qui suivent la vérité se connaissent entre eux. في كل أرجاء الأرض. Aux quatre coins du monde. فقال له شيخه قال ليس على ما نحن عليه اليوم إلا رجل بنصيبين في نهاية الجزيرة العربية من جهة الشمال. Il lui a dit il n'y a d'autres personnes qui suivent la vérité aujourd'hui à part quelqu'un qui se trouve à Nasibin, le Shamal, à l'extrême nord de la péninsule arabique. قال فالحق به. Et il lui a dit donc rejoins-le. ثم مات ولما مات ودفنوه سافر سلمان. Après sa mort et après qu'il fut enterré, Salman a pris la route. وذهب إلى نصيبين. Et s'est rendu à نصيبين. حمك الله. وقال الرجل لقد أوصى بي فلان إليك. Et il est parti voir la personne et lui a dit un tel m'a recommandé de venir te voir. فهل تقبلني أتعلم منك وأعبد الله معك على أن أخدمك؟ Est-ce que tu accepterais que tu m'apprennes en contrepartie des services que je te rendrai? لا يريد مالا سلمان. Il ne cherche pas à gagner de l'argent. ولا يريد دنيا. Il ne cherche pas à obtenir quelque chose de ce bas monde. فقبله الرجل وقال اذهب أو ادخل معي. L'homme a accepté, lui a dit reste avec moi et entre avec moi. وبعد سنين طويلة أيضا حضر الموت شيخه. Après de longues années également, son maître est arrivé au terme de sa vie. فقال سلمان له وهو يحتضر لقد أوصى بي فلان إليك فإلى من توصي بي. Et donc au moment de sa mort, il lui a dit un tel m'a recommandé de te rejoindre. Et toi, qui me recommandes-tu? فقال له شيخه ليس أحد على ما نحن عليه اليوم إلا رجل بالموصل من أرض العراق فالحق به. Et il lui a dit à part une personne qui se trouve à Mawsil en Irak, il n'y a personne d'autre qui suit notre religion. Rejoins-le donc. فلما مات شيخه سافر ولحق بالموصل بالعراق. Et donc à la mort de son cheikh, il a pris la route vers Al-Mawsil en Irak. وذهب إليه فقال لقد أوصى بي فلان إلى فلان وأوصى بي فلان إليك فهل تقبلني
أعبد الله معك وأتعلمك وأتعلم منك على أن أخدمك. Et le dit un tel m'a recommandé un autre qui lui-même m'a recommandé de venir te voir. Est-ce que tu accepterais que j'adore Allah avec toi en contrepartie des services que je te rendrai? فقبله قال فادخل وأعبد الله معي. Il dit reste avec moi et adore Allah avec moi. وبعد سنين طويلة جاءه الموت. Et après de longues années, le terme de sa vie est arrivé. فقال له سلمان لشيخه وهو يحتضر وسنعلم أن سلمان كان يبحث عن الحق سنين طويلة. Et là on se rendra compte que Salman a été en quête de la vérité pendant de longues années. Il a dit à son cheikh qui allait bientôt mourir. قال له لشيخه وهو يحتضر بالموصل لقد أوصى بي فلان إلى فلان وأوصى بي فلان إليك وقد نزل بك أمر الله يعني الموت فإلى من توصي بي؟ Et lui a dit un tel m'a recommandé un autre qui lui-même m'a recommandé de venir te voir et maintenant ce qu'Allah a décidé est venu, c'est-à-dire la mort. Qui me recommandes-tu donc? فقال يا بني ليس أحد اليوم على مثل ما نحن عليه يعني على التوحيد الذي كان عليه عيسى بن مريم عليه السلام ليس أحد اليوم على مثل ما نحن عليه إلا رجل بعمورية ما بين تركيا وسوريا. Et lui a dit personne d'autre à part une personne qui se trouve à Amorium, c'est-à-dire entre la Turquie et la Syrie, personne d'autre n'est sur la même voie que nous, c'est-à-dire le monothéisme que Jésus, fils de Marie, a laissé. فالحق به. Et rejoins-le donc. ثم مات شيخ. Et ensuite il rendit l'âme. وسافر سلمان من العراق إلى تركيا إلى عمورية. Et Salman a quitté l'Irak pour la Turquie à Moriam. وهكذا كلما أدرك أحد أوصياء عيسى الذين كانوا على التوحيد يأتيه الموت حتى انتهى به إلى بضعة عشر شيخا أو معلما يعني أكثر من 13 فما فوق واحد سنين طويلة شيخ بعد شيخ بعد شيخ أكثر من 13 شيخا معلما مربيا. Et ainsi donc il se déplaçait de cheikh en cheikh jusqu'à en avoir rencontré plus de 13. À chaque fois que un mourait, il se rendait vers l'autre. فوصل به أن رجع مرة أخرى إلى أرض الشام إلى بيت المقدس. Et il s'est trouvé que il est revenu à Jérusalem, en terre de Cham. حتى حضر شيخه الأخير الموت. Jusqu'à ce que son dernier maître soit à l'agonie. فقال له سلمان وهو يحتضر. Et alors que son cheikh était en train de rendre l'âme, Salman lui a dit: لقد أوصى بي فلان إلى فلان وفلان إلى فلان وفلان إلى فلان وفلان إليك وقد نزل بك أمر الله أي الموت فإلى من توصي بي؟ Et un tel m'a recommandé un autre qui lui-même m'en a recommandé un autre et ainsi de suite jusqu'à toi. Et voici ce qu'Allah a décidé qui t'arrive maintenant, c'est-à-dire la mort. Qui me recommande de toi après toi? فقال شيخه الأخير ممن كانوا على التوحيد أي بني يا بني ليس أحد اليوم على مثل ما نحن عليه إلا أنا وأنت نحن فقط اللي على التوحيد الخالص يعني غير الناس وبدلوا ما في حدا على التوحيد وعلى دين عيسى الصحيح إلا أنا وأنت. Il lui a dit: écoute mon petit, à part moi et toi, il n'y a personne qui suit la même voie que nous. C'est-à-dire, à part nous deux, tout le monde, tous les autres ont déformé le monothéisme. Et personne ne le suit. يعني يريد أن يقول ليس هناك من أوصي بك إليه لتذهب إليه لأنه ما في إلا أنا وأنت. En fait, c'est comme s'il lui avait dit
je ne peux te recommander personne d'autre, puisque à part nous deux, personne ne suit le monothéisme. ثم قال له شيخه وهو يحتضر وقد أضلك زمان نبي هذا الزمان زمان نبي. Il lui a dit, mais la période d'un prophète est proche, est extrêmement proche. يبعث بأرض العرب. Et il apparaîtra en terre arabe. مولده في أرض الحرم في مكة. Il verra le jour dans le périmètre sacré à la Mecque. ومهاجره أرض بها نخيل بين حرتين سوداويين. مهاجره أرض وطبعا هو يريد المدينة بين حرتين مثنى حرة. الحرة هي أرض سهلة فيها حجارة سود كأنها من آثار انفجارات بركانية قديمة. حجارة سود ضخمة يمين وشمال وفي الوسط نخيل. Et le dit, la terre vers laquelle il émigrera est une terre où se trouvent des palmeraies et qui se trouve entre deux étendues où se trouvent des pierres noircies, comme si ce sont des pierres noircies, comme si elles ont fait suite à des éruptions volcaniques. هذا المهاجر تبع يعني بلده أصله أرض الحرم مكة وهذا مهاجره أي الدار التي سيهاجر إليها. نخيل بين حرتين سوداويين يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة بين كتفيه خاتم النبوة. Et donc la Mecque est le lieu où le prophète a vu le jour et la terre vers laquelle il émigrera, il s'agit de Médine, entre donc deux étendues où se trouvent des pierres noires, on appelle al-Harra. Il consomme ce prophète, il consomme lorsque on lui présente un cadeau, néanmoins il ne consomme pas lorsqu'il s'agit de l'aumône. Et entre ses deux épaules se trouve le sceau, c'est-à-dire comme le tampon de la prophétie. يأكل الهدية يقبل الهدية ويأكلها أما الصدقة لا يأكلها لأنها حرام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته إلى قيام الساعة. Et donc il consomme lorsqu'on lui fait un cadeau, lorsqu'on lui présente un cadeau. Quant à l'aumône, il ne la consomme pas car cela lui est interdit, ainsi que à ses proches jusqu'à la fin des temps. بين كتفيه يعني من جهة ظهره ها هنا خاتم النبوة. Et donc sur le dos, entre les deux épaules, se trouve le tampon, le sceau de la prophétie. مثل بيضة الحمامة جلد ناتئ بارز مثل بيضة الحمامة بيضاوي به شعرات بين كتفيه دلالة على أنه نبي ما يستطيع أحد يعملها في نفسه هذا من عند الله عز وجل الدلالة على أنه نبي. C'est une excroissance de chair qui a une forme arrondie comme un œuf de pigeon autour sur lequel qui est poilu. Personne ne peut se le faire lui-même. C'est un signe qui le vient bien d'Allah سبحانه وتعالى. مثل بيضة الحمامة زي الشامة لونها مختلف عن لون الجلد. كالشامة جلد ناتئ بارز مثل بيضة الحمامة مثل بيضة الحمامة بها شعرات. Donc c'est une excroissance de chair dont la couleur diffère qui diffère du reste de son corps et qui est poilu, qui ressemble à un œuf de pigeon. قال له إذا أدركته فالحق به. Il dit si tu es contemporain à lui, rejoins-le. ثم مات آخر أوصياء عيسى أو مات من كان على دين عيسى بن مريم التوحيد آخر واحد آخر شيخ من شيوخ سلمان وبقي سلمان وحده على التوحيد. Ensuite le dernier à suivre ou à pratiquer le monothéisme qu'avait apporté Jésus fils de Marie a quitté la vie parmi les maîtres de Salman et Salman s'est retrouvé le seul à suivre ce monothéisme. وكان سلمان قد اكتسب من عمل كد يمينه وعرق جبينه اكتسب مالا
وصار عنده من البقر وصار عنده من الغنم والأموال اكتسب ماله. Et à la sueur de son front, Salman a réussi à acquérir certaines richesses, comme des vaches, comme des moutons et autres formes de biens. Et pourtant, cela ne l'a pas empêché d'adorer Allah. وما كان ذلك أيضا على حساب دينه. Et il n'a pas fait de concession vis-à-vis de sa religion pour pouvoir gagner cet argent également. وجاءت قافلة من أرض العرب لأجل التجارة جاءوا إلى بلاد الشام. Ensuite, une caravane venant de la terre où les Arabes habitaient est arrivée au Cham, en Grande Syrie. وفرح بهم سلمان. Ce qui a rendu Salman heureux. لأنهم من العرب. Car ils appartiennent, car ils sont arabes. ونبي الزمان من العرب. Et le prophète qui allait apparaître à cette époque est arabe. وفرح بهم سلمان فقال تحملوني إلى أرض العرب لأنه لا يعرف الطريق تحملوني إلى أرض العرب وتأخذون غنيمتي هذه وبقراتي هذه كل أموالي كل الغنم وكل البقر لا أريد شيئا وتحملوني إلى أرض العرب يريد أن يصل إلى الحق وإمام الحق يريد أن يصل إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الوريف الوحيد لعيسى بن مريم ما في نبي بينهم فيريد أن يصل لوريف عيسى لأن عيسى أوصى به قال عيسى سيأتي من بعد رسول اسمه أحمد هو اسم النبي عليه الصلاة فيريد أن يصل إليه ما بدي المال ولا البقر بس وصلوني إلى أرض العرب قالوا نعم نقبل شوف طمع كيف العرب إذن كي لوادي Il leur a dit, en étant extrêmement joyeux, « Emmenez-moi chez les Arabes. » Car ils savaient que le prophète, qui est le seul héritier de Jésus, puisque entre Jésus et lui, il n'y a pas eu d'autres prophètes. Et il leur a dit, « Prenez ce que j'ai. Prenez mes vaches. Prenez mes brebis, mes moutons. Prenez tout ce que j'ai, mais emmenez-moi. » Car ils ne connaissaient pas la route pour pouvoir s'y rendre. قال سلمان فحملوني. Et Salman dit, et ils m'ont emmené avec eux. شوف كيف أهل الشام حملوه من فارس من إيران إلى بلاد الشام وما أخذوا منه شيئا وما ظلموه وما ضحكوا عليه وأوصلوه للحق وأهل الحق وأماكن الحق. Et là on va voir comment sont les Arabes. Les gens qui sont venus de la Grande Syrie du Cham lorsqu'ils l'ont transporté de la Perse vers Hachem, vers Jérusalem, ils ont été honnêtes envers lui. Ils ne sont pas moqués de lui. Et ils n'ont pas été injustes envers lui. وهذه القافلة العربية اسمها كلب من قبيلة تسمى كلب. Et donc la caravane arabe faisait partie d'une tribu qui s'appelle كلب. فوافقوا نحملك ونأخذ البقرات والغنمات وكل شيء. تعال. Et donc, ils ont dit qu'ils étaient d'accord pour le transporter en contrepartie de ces vaches et ces moutons. قال سلمان وظلموني. Salman dit, mais ils ont été injustes envers moi. كيف ظلموك يا سلمان؟ ما الدليل؟ سلمان لا يكذب. لابد أن يبين الدليل على ظلمهم. قال سلمان ظلموني فباعوني لرجل من اليهود. صار عبدا مملوك. Et comment ça ils ont été injustes envers toi? Salman ne ment pas et donc il peut justifier cela. Il dit ils m'ont emmené et ensuite ils m'ont vendu un juif. C'est-à-dire qu'après qu'il ait été libre, il se retrouvait esclave. أخذوا أمواله. Ils ont pris tous ses biens. ويا ليتهم تركوه وحده باعوه ليكون عبدا مملوكا وهو من سيد ابن سيد وحر ابن حر وغني ابن غني صار عبدا مملوكا صار خادما في الرق وصبر لأجل الحق. Et si seulement après avoir pris ses richesses ils l'avaient laissé. Non, ils ne sont pas contentés de cela, ils l'ont vendu
lui qui est un maître, qui est un chef, fils de chef, libre, fils de libre, riche, fils de riche, il s'est retrouvé un esclave à travailler sous la servitude, mais il a enduré cela. Il a enduré car il recherchait la vérité, et pour la vérité. أخذ أمواله وباعوه وأخذ أموالا من اليهودي ثمنا له. Ils l'ont dépossédé de ses richesses et en plus ils ont pris de l'argent de la part du juif en contrepartie de sa liberté. وكان سيده اليهودي من أهل القرى منطقة هناك شمال المدينة النبوية قبلها. فظن سلمان أنها هي لما رأى بها النخيل وبعض الحرات السوداء حولها فقال ظننت أنها هي نخيل وكذا لكن هي لا مش هي ممكن شك. Et le juif en fait habitait au nord de Médine. Et comme il y avait des palmeraies et il y avait des étendues de pierres noircies, Salman a pensé que c'était Médine. Il se dit puisque ça ressemble, c'est peut-être la ville en question. قال ثم باعني سيدي لابن عم له من بني قريظة باعه اليهودي الأول ليهودي آخر فحملني إلى بلده فما وصلت حتى عرفتها بوصف صاحب يثرب التي هي المدينة النبوية نخيل بين حرتين سوداويين عرفتها بصفة صاحبي آخر شيوخه انتبهوا للكلام عرفتها بصفة صاحبي بالدليل عرف صفتها هذه مهاجر نبي آخر الزمان نخيل من حرتين سوداويين. Et son premier maître juif l'a vendu à un autre juif qui faisait partie des Banu Qurayza. Et donc il l'a transporté avec lui vers Yathrib, premier nom de Médine, et il a dit dès que je l'ai vu, avant même d'arriver, j'ai su que c'était la ville en question, parce que grâce à la description de mon dernier maître, description que mon dernier maître m'en avait faite, c'est-à-dire des palmiers entre deux étendues où se trouvaient des pierres noires. Et donc, soyez attentif au fait qu'il a dit suite à la description ou grâce à la description que m'en a faite mon dernier maître, c'est-à-dire preuve à l'appui. خدمة سيده اليهودي يأتي له بالماء وزرع له الغنم ويزرع له الأرض وهو حر ابن حر وغني ابن غني وسيد ابن سيد صار لأجل الحق عبدا مملوكا وخادما وفي مشقة وتعب لا يرتاح إلا عند المغرب ويتعشى وينام. Et donc il a continué toujours à être dans la servitude, à être esclave, à travailler pour son maître, à travailler la terre, à s'occuper des richesses de son maître, ce qui était extrêmement épuisant, et il ne pouvait se reposer qu'à la tombée de la nuit, où il dînait avant de s'endormir. Tout cela pour la vérité. قال سلمان وبعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بمكة ولم أسمع بشيء حتى جاء مهاجرا إلى المدينة يعني بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم وبقي في مكة 13 عاما وسلمان لم يسمع به لماذا؟ لما أنا فيه من شغل الرق من الشغل أشغال الشاقة المتعبة التي كان فيها ما سمع 13 سنة وما سمع لماذا؟ لأنه في الشغل الشغل الشديد والتعب الذي كان بسبب العمل في النخيل وفي الزراعة وفي سقي الأرض واستسقاء الماء ورعي الجمال والإبل والبقر ما سمع شيء 13 سنة. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala fait surgir son prophète à la Mecque et je n'ai pas du tout entendu parler de lui jusqu'à ce qu'il arrive à Médine. C'est-à-dire que pendant 13 ans, il n'a pas du tout entendu parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il était occupé par les travaux de son état d'esclave. Le fait d'irriguer les palmeraies, de s'occuper des palmiers, de s'occuper
du fait d'extraire l'eau, etc., etc. Et donc cela l'a empêché d'être au courant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال سلمان وبينما أنا في عذق نخلة في رأس نخلة وسيدي في أصل النخلة في الأرض يجلس يسند ظهره على جذع النخلة وسلمان في أعلى النخلة أعمل فيها يؤبر يقطع أشياء يشتغل يعني شغل فإذا بابن عم له يأتيه يأتي لسيده يكلمه بهذا الخبر الذي سمعه سلمان وهو في أعلى النخلة. Il dit un jour alors que j'étais tout en haut d'un palmier et que mon maître était adossé sur le tronc du palmier, un de ses cousins, et donc il était occupé à prendre soin de ce palmier, il y a un parmi les cousins de mon maître est venu le voir. قال له هذا الذي جاء لابن عمه الجالس قاتل الله بني قيلة وبنو قيلة لقب الأوس والخزرج الذين هم الأنصار. Et donc le cousin de son maître lui a dit mort au Banu Qayla, c'est-à-dire c'est un surnom qui était donné aux deux tribus de Médine, Al-Aws et Al-Khazraj, que sont Al-Ansar. وكلمه قاتل يعني لعن. Et قاتل donc je traduis par mort, c'est-à-dire maudit soit ces gens-là. فقال ابن عمه الجالس وماذا قالوا. Et son cousin donc qui était assis, il lui a dit mais qu'ont-ils donc dit. وسلمان يسمع ولا يتجسس لكن الحديث يصله. Donc Salman, il n'espionnait pas ce qu'il disait, mais les paroles atteignaient ses oreilles, et donc il écoutait. فقال ابن عمه الزائر إنهم الآن بأرض عوف بن عمرو يجتمعون على رجل يزعم أنه نبي قادم من مكة. Il dit, ils sont tous réunis dans la terre de Ibn Auf. هي منطقة قباء الآن. منطقة قباء. اسمها أرض عوف بن عمرو أو عمرو بن عوف. هذه منطقة قباء. نزل فيها الرسول صلى الله عليه وسلم أسبوعين قبل دخوله المدينة. Donc dans la zone de Quba où le prophète صلى الله عليه وسلم s'était installé pendant deux semaines avant d'arriver à Médine. Et donc le visiteur a dit au maître de Salman, ils sont tous réunis autour d'un homme qui est arrivé de la Mecque et qui se prétend prophète. قال سلمان فأصابتني العرواء. العرواء رعدة رعشة كيف الحمى. الإنسان يكون بردان برد شديد مع المرض يرتعش. هذه اسمها العرواء أو الرعدة. سلمان كل ذرة في جسده تنتظر خبرا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال فأصابتني العرواء حتى كدت أن أسقط على سيدي. يعني خاف أن يقع لي على سيده اليهودي. فنزلت بسرعة وأمسكت به بالضيف الزائر. أو حقا ما تقول يا سيدي؟ أو حقا ما تقول يا سيدي؟ أو حقا؟ كل ذرة في جسده تنتظر الخبر. خبر الحق وأهل. Et il dit, j'étais pris de frissons, comme une personne qui est malade et qui ressent le froid, qui a froid et tout en étant malade. Il dit, j'étais pris de frissons parce que, en fait, chaque particule de son corps était animée par la vérité et cherchait cette vérité. Il dit, j'étais pris de ces frissons à tel point que j'ai eu peur de tomber sur mon maître qui se trouvait en bas. Et ensuite, il a saisi. La personne qui était venue rendre visite à son maître en lui disant est-ce que c'est vrai ce que tu dis, est-ce que c'est vrai ce que tu dis maître, est-ce que c'est vrai ce que tu dis maître. فقام سيده الذي كان جالسا فقال له ما لك ولهذا قال فلكمني لكمة شديدة آلمتني أطلب بوكس بنية. Et son maître qui était assis, il lui a dit, occupe-toi de tes affaires. Avant de lui mettre une droite, tu le fais extrêmement mal. Salman la yaklib. Faqala Salman,
إنما أردت أن أستثبت. وفعلا هو يستثبت، لكن بدي أعرف هل حقيقة الحق الكلام هذا أم لا، لأنه قال أو حقا ما تقول يا سيدي، قال إنما أردت أن أستثبت. قال ما لك ولهذا، ارجع إلى شغلك إلى عملك يعني. Et comme Salman ne ment pas, il a dit j'ai seulement voulu être sûr de l'information. Et c'est effectivement ce pourquoi il a posé la question en disant est-ce que cela est vrai. Et son maître lui a dit occupe-toi de ce qui te regarde et retourne au travail. قال سلمان فلما فرغت من شغلي وأمسيت صار في المساء خلص الشغل قبل المغرب حملت نفسي وجمعت طعاما وذهبت إلى مضارب عوف بن عمرو قباء، راح للنبي عليه السلام إلى قباء معه طعام، فدخلت عليه وحوله أصحابه فقلت له قد علمنا أنك رجل صالح وأن لك أصحابا فقراء فهذا طعام صدقة. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه كلوا، ومنع يده من أن يأكل وما أكل معهم، فقال سلمان هذه واحدة. هو هذا اللي حكى لي شيء واحدة، هذه واحدة أول علامة من علاماته، واحدة ما أكل. Et donc à la tombée de la nuit, après avoir terminé son travail, il a pris ou rassemblé de la nourriture avec lui et s'est rendu de l'endroit où se trouvait jusqu'à les lieux où se trouvait Auf. La région de Quba. Et ensuite, il s'est rendu auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit, nous savons que tu es quelqu'un de bien et que tu as des compagnons qui n'ont pas grand-chose. Et donc voici de la nourriture pour vous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons, mangez. Et lui-même s'est abstenu de manger. Et Salman a dit, voilà un signe. C'est-à-dire parmi les signes que son dernier maître lui avait donné afin de reconnaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam. أهل الحق يعرفون الحق بإيش؟ بدليله. فاعرف الحق تعرف الرجال. إحنا لا، تعرف الرجال تعرف الحق. أنت إيش؟ ريال مدريد ولا أرسنال ولا إيش؟ كأننا نلعب. هذا لا يجوز. ابحث عن الحق بدليله. ونأخذ الحق من أهل الحق بدليله. Et donc les gens de la vérité connaissent cette vérité preuve à l'appui. Et en connaissant la vérité, tu connaîtras qui sont les hommes et non pas en connaissant les hommes, et ce n'est pas en connaissant les hommes que tu connaîtras la vérité. Certaines personnes disent tu es avec quelle équipe, tu es avec le Real ou tu es avec le Barça, comme si on s'amusait. Non, c'est en connaissant la vérité qu'on peut connaître les gens qui sont sur cette vérité. Preuve à l'appui. Et le jour qui suit, après avoir فرغ سلمان من شغله جمع طعاما وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بقباء وحوله أصحابه، فقال له قد علمنا أنك لا تأكل الصدقة فهذا هدية، طعام هدية. فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه كلوا، ومد يده أكل، فقال سلمان هاتان ثنتان، أكل أكل الهدية كما قال له من صاحبه آخر شيخ. أهل الحق لا يكذبون. Et donc à la tombée de la nuit, il a réuni encore une fois de la nourriture et s'est rendu auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Quba en lui disant, nous avons pris connaissance du fait que nous avons appris que tu ne mangeais pas lorsqu'il s'agissait de charité. Voici un cadeau que je te présente. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ses compagnons ont mangé et lui-même a mangé avec eux. Et Salman a dit et de deux. وتحول النبي صلى الله عليه وسلم ودخل المدينة. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a plié bagages vers Médine. ومات رجل من المسلمين من الأنصار من أهل المدينة. Et un homme parmi l'Ansar, les habitants de Médine, est décédé. وبينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس وحوله أصحابه فإذا بسلمان يأتي.
Et alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis avec ses compagnons autour de lui, Salman est arrivé. ماذا بقي من علامات؟ Quel est le signe qui reste؟ خاتم النبوة. Le sceau de la prophétie. فقام سلمان وخلف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يستثبت في خاتم النبوة ولا ما في خاتم النبوة، يريد أن يرى، شاف علامتين والأرض كذا، فيريد أن يرى خاتم النبوة، صار يلف عند ظهر النبي عليه السلام وهو جالس. Et Salman s'est mis à tourner, à rôder autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam derrière son dos, afin d'être sûr que le troisième signe était bien présent, puisqu'il en a vu deux, plus les signes géographiques de la ville. ونبينا صلى الله عليه وسلم فهم ماذا يريد سلمان. Le prophète a saisi ce que Salman cherchait. فقال له ما لك يا سلمان. Il lui dit qu'est-ce qui t'arrive Salman. وكشف عن ردائه فرأى سلمان خاتم النبوة مثل بيضة الحمامة ها هنا وفيه شعرات فانكب يقبل النبي صلى الله عليه وسلم ويبكي ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Et le prophète صلى الله عليه وسلم dit mais qu'est-ce que tu cherches Salman avant de découvrir le drap qui recouvrait le haut de son corps. Et lorsque Salman a vu la trace qui est le sceau de la prophétie, comme l'œuf, un œuf de pigeon, et il s'est mis à embrasser le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant « Je témoigne qu'Allah est le seul à mériter d'être adoré et que Mohammed est l'envoyé d'Allah » en répétant cela. Et en pleurant. « Faqala alayhi sallatu wa sallam, tahawwal sallam, ta'ata, ishi, malak » Salman le dit « Viens par ici, qu'est-ce qui t'arrive ?» وأخبره بقصته من أولها إلى آخرها. Et il lui a raconté son histoire du début à la fin. ونادى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وأسمعهم قصة سلمان. Et le prophète صلى الله عليه وسلم a appelé ses compagnons et leur a fait écouter son histoire. كما سمعتموها تماما. Comme vous l'avez écouté. يعني هذه القصة من السنة أن تسمعوها. Cette histoire, cela fait partie de la sunnah que de l'écouter. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسمعها أصحابه. البروفيت لا في إكوتي أسي كومبانيون. وصل سلمان. وصل إلى الحق وإمام الحق. Et donc Salman a atteint la vérité et celui qui était à la tête de cette vérité. وأعلن إسلامه. Et il a annoncé sa conversion. وهو من أتباع نبيين رسولين كريمين. Et donc, il fait partie de ceux qui ont suivi deux prophètes, deux nobles prophètes. على دين التوحيد. Toujours sur le monothéisme. دين عيسى ودين محمد عليهما الصلاة والسلام. La religion de Jésus et la religion de Mohammed, à eux, paix et salut. وبقي كذلك في الرق ست سنين بعدها حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم كاتب نفسك يا سلمان أي اشتري نفسك من سيدك اليهودي مقابل شيء اشتري نفسك. À eux, prière et salut. Et ensuite, il est resté pendant 6 ans dans la servitude, en étant esclave. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, rachète ta liberté en contrepartie d'une somme, qu'on appelle kaatib. فذهب إلى سيده اليهودي قال أنا أريد أن أكاتب نفسي أنا عايز أشتري نفسي أعتق نفسي نظير شيء. Il lui a dit, je veux me racheter, racheter ma liberté. فقال سيده موافق شرط. Et son maître a dit, je suis d'accord. À deux conditions. شرط الأول أن تغرس لي 300 نخلة وتحيا ما تموت تغرس الغرسة وتنتظر حتى تعيش شتلات 300 نخلة وأربعين أقية من ذهب يعني بده عمر نوح عشان يعمل هذا الشيء. Il lui dit à deux conditions. La première c'est que tu plantes 300 palmiers. 300 palmiers qui continueront à pousser. Et que tu donnes 40 uqiyah, qui sont des mesures, qui sont des unités de mesure, que tu en donnes 40 en or. C'est-à-dire qu'en fait, il lui faut l'âge de Nuh pour rassembler toute cette somme. وذهب سلمان وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بطلب سيده اليهودي. Le prophète صلى الله عليه وسلم a informé, Salman a informé le prophète صلى الله عليه وسلم des conditions posées par le juif.
فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه أعينوا أخاكم. سلمان أخ للمسلمين، أخ للعرب، وهو فارسي الأصل، الذي يجمع بينه وبينه وبينهم أخوة الدين. أعينوا أخاكم، أعينوا أخاكم. وأما الحديث المشهور سلمان منا على البيت فهو ضعيف لم يصح. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux musulmans, aidez votre frère. Et donc Salman est leur frère, bien que le Salman est le frère des Arabes, bien qu'il soit perse, car c'est la religion qui leur sert de fraternité. Quant au hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit, Salman fait partie de nous, les gens du Bayt, c'est-à-dire les proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce hadith est faible. وهكذا أهل الحق إخوة رحمهم واحد هو الحق فهم إخوة في الحق لذلك قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة لأنهم أهل إيمان فهم أهل حق فهم إخوة ومع ذاهم ليسوا بإخوة أهل الضلال ليسوا إخوة قال الله عنهم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. C'est ainsi que les gens qui suivent la vérité sont des frères car ils ont un lien de parenté commun qui est la vérité. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit « Les croyants ne sont rien d'autre que des frères. » Alors que les gens qui sont égarés ne sont pas des frères entre eux. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit « Tu croirais qu'ils sont unis alors que leurs cœurs sont, alors que leurs cœurs sont dispersés. » Et le Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit « Al-Muslim kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'd » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également « Les musulmans les uns avec les autres sont comme un mur dont les briques se tiennent mutuellement, se soutiennent mutuellement. المؤمن القوي يدافع عن أخيه المؤمن الضعيف. Et donc le croyant qui est fort défend son frère qui est faible. المؤمن الغني يعطي أخاه المؤمن الفقير. Et également le croyant qui est riche donne à son frère qui ne l'est pas. هكذا أخلاق أهل الحق. C'est le comportement des gens qui suivent la vérité. قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه أعينوا أخاكم أخونا سلمان لابد أن نعينه. C'est ainsi donc que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit aidez votre frère. Salman est notre frère, on doit l'aider. قال سلمان فكان الرجل يجيء بالودية خسيلة شتلة شتلة يعني بنت النخلة شتلة غرسة والرجل يأتي بالوديتين يعني من فقره يأتي بواحدة شتلة صغيرة والرجل يأتي بثنتين والرجل يأتي بثلاث والرجل يأتي بعشر والرجل يأتي بعشرين والرجل يأتي بثلاثين حتى اجتمع عندي 300 وأعانوه على العدد 300. Et donc ils amenaient chacun des pousses de palmier. Certains en amenaient une, certains en amenaient deux, certains en amenaient une vingtaine, et ainsi de suite jusqu'à rassembler le nombre de 300. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا سلمان فقر لها فقر احفر حفر ولا بد تكون حفرة واسعة وعميقة واسعة وعميقة ولا تضع شيئا حتى أكون أنا أضعها بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أعنوك الصحابة بأموالهم وأنت حفرت وأنا أعينك ببدني أيضا أضع بيدي كل شتلة في مكانها والأصل في الشتلات أنها تموت يعني قليل الذي يعيش لأن لابد يكون حفرة عميقة ويضعوها ويردم عليها التراب ويسقيها ويراقب مسكت في الأرض ولا ما مسكت ماتت يشيلها يحط واحدة ثانية وهكذا فاشترط سيده اليهودي أن تعيش 300 نخلة حية مش تزرع لي 300 نخلة وتقول لها 300 وتسيبها وتموت لا شرط يعني معناها تنتظر عليها فترة حتى تشوفها كلها ايش مسكت في الارض وصارت حية لان غالبا ما بتحيا بتموت ويجيب واحدة اخرى اكثر من مرة حتى يعني تمسك بالارض. Et le prophète صلى الله عليه وسلم lui a dit creuse et ce trou doit être large et profond pour pouvoir planter ses pousses de palmiers. Et donc les musulmans l'ont aidé, lui-même doit creuser, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut l'aider également physiquement et en personne. Et d'habitude, les pousses de palmiers
ne continue pas à pousser. Elle meurt en cours de route, parce que cela est difficile. Le creux doit être profond, et ensuite on doit reboucher le trou avec de la terre. On doit également arroser cet endroit-là et attendre que la pousse elle grandisse. Et généralement cela n'a pas lieu, on doit la remplacer immédiatement par une autre, et ainsi de suite. Or, le maître juif de Salman avait posé pour condition que toutes les pousses continuent restent vivantes. وحفر سلمان 300 حفرة. Et donc, c'est-à-dire qu'il devait attendre une période afin d'être sûr que les 300 pousses continuent à pousser, à grandir. Et Salman a donc creusé ces 300 trous. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه فرغ من الحفر. Et ensuite, il a informé le prophète صلى الله عليه وسلم qu'il avait terminé de creuser. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليعين أخاه سلمان كما أعانه الصحابة. بنفسه كان يضع الفسيلة الودية الشتلة يضعها بنفسه بيده ويردم عليها ويسقيها 300 شتلة غرسها النبي صلى الله عليه وسلم بيديه الكريمتين. Et donc le prophète صلى الله عليه وسلم a voulu aider Salman de ses propres mains comme les compagnons l'ont fait également. Et il a donc planté 300 pouces de sa propre main. Ses propres mains, ses nobles mains. قال سلمان فوالذي نفس سلمان بيده يقسم بالله ما ماتت منها ودية واحدة ولا واحدة. Et je jure par celui qui détient l'âme de Salman en ses mains, dans ses mains, c'est-à-dire par Allah, il n'y a pas une pousse qui n'a pas continué à vivre. وقالوا كان من أفضل هذه النخلات الثلاثمائة تمرها كان من أفضل تمر المدينة لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضعها بيديه فكانت فيه البركة. Il dit ces 300 palmiers donnaient les meilleures dates de Médine. Car le prophète صلى الله عليه وسلم était celui qui les avait plantées de ses propres mains et donc cela leur a conféré une bénédiction. بقي ماذا حتى يعتق سلمان. Qu'est-ce qui reste afin que Salman retrouve sa liberté ? L'or. وجاء ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعطى مثل البيضة من ذهب لسلمان وقال أعطيها لسيدك. Et ensuite, donc le prophète صلى الله عليه وسلم s'est procuré de l'or, où il a de l'or lui est parvenu et il a donné à Salman l'équivalent d'un œuf en or et il lui a dit donne-la à ton maître. فأمسك بها سلمان واستقلها رآها قليلة قال وماذا تصنع هذه يا رسول الله يعني قليلة. Lorsqu'il a pris dans sa main, il a considéré que cela était peu à ses yeux. Il a dit mais qu'est-ce que cela pourra bien faire, prophète d'Allah. قال خذها وسيقضي الله عنك. Il dit prends-la et Allah réglera à ta place. ما تقول قليلة ما في عند الله قليل. Ne dis pas que cela est peu. Rien n'est peu pour Allah. فأخذها وأعطاها لسيده اليهودي. Il a donc donné à son maître juif. ووزنها. Qui l'a pesé. فقال سلمان فوالذي نفس سلمان بيده يقسم بالله وجدها 40 أقية. Et je jure par celui qui détient l'âme de Salman dans ses mains, c'est-à-dire par Allah, le poids était de 40 mesures. بركة رسول الله. Par la bénédiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam. النخل وفي الذهب. Aussi bien concernant les palmiers que concernant le. وأعتق سلمان. Et Salman a été affranchi. سنة 6 للهجرة. En l'an 6 de l'Hégire. وأول غزوة حضرها نصر الله بها الإسلام والمسلمين بسبب سلمان وهي غزوة الخندق. Et la première bataille à laquelle il a assisté, Allah a donné la victoire aux musulmans. Grâce à Salman, il s'agissait de la bataille du fossé. C'est quelqu'un de béni, cet homme. Et les gens qui suivent la vérité sont bénis. Dans ce qu'ils disent, dans leurs actes, et dans tous les états par lesquels ils passent. Où qu'ils soient, la bénédiction se trouve. Ils ne mentent pas. Et ils aiment Allah passionnément. Ils aiment Allah passionnément. Et ainsi, ils aiment les prophètes d'Allah.
يحبون أهل الحق حبا جما. Ils aiment passionnément les gens qui suivent la vérité. يكرهون أهل الضلال كرها جما. Ils aiment également fortement, ils détestent fortement les égarés. يعيشون في الدنيا لأجل الآخرة. Ils vivent sur terre mais pour l'au-delà. الدنيا لا قيمة لها عندهم. Et ce monde ici-bas n'a aucune valeur à leurs yeux. جمعت قريش مع الأحزاب 10,000 مقاتل وجاءوا من مكة ومن حول مكة ليغزوا المدينة ليقضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه. فأشار سلمان على رسولنا صلى الله عليه وسلم أن يحفر الخندق عدة كيلومترات لأن أرض المدينة الأخرى حرات صعب على الإبل والخيل تمشي فيها إلا منطقة التي هي عند المساجد السبعة لمن ذهب منكم يعتمر هذه هي منطقة الخندق. هذه المنطقة عدة كيلومترات 2 كيلو 3 كيلو 4 كيلو هذه المنطقة اللي ممكن يدخل منها الخيل والإبل. أما الباقي المدينة محمية بالحرار بالأرض التي فيها حجار صود فصعب على الإبل والخيل تمشي فيها فما في إلا هنا. فأشار نحفر هون الخندق يا رسول الله ما يستطيع يدخل علينا وهم 10,000 ما يقتلونا. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الفكرة وبدأوا يحفرون الخندق بإيش بالفؤوس مش بالجك الهمر لا ما فيها الكلام فؤوس والقفف. كل صحابي من المهاجرين والأنصار حتى الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشارك معه وحفروا عدة كيلومترات في عرض ما تستطيع الخيل تقفز معه وفي عمق. Et donc la tribu de Quraysh avait réuni des alliés. Ils étaient au nombre total de 10,000. Et ils avaient pour objectif de détruire une fois pour toutes et d'en finir une fois pour toutes avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Salman a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam l'idée de creuser un fossé du côté à partir duquel ses alliés pouvaient venir. Car les autres endroits étaient protégés, ils protégeaient Médine puisque c'était des endroits où il y avait ces pierres noires et où donc ces pierres noircies, il y a des terres basaltiques où les chameaux et les chevaux ne pouvaient pas passer. Et donc à l'endroit, le seul endroit où cette armée pouvait passer, c'est l'endroit où se trouve la mosquée des Saba Messager. هذه طبعا مسجد السبع بناها الأتراك يعني مش بالسنة يعني بعض الحجاج والمعتمرين الجهلة يذهبون يزوروها. سبع مساجد إيه سبع مساجد مسجد هنا وبالمسجد مسجد ويدخل صلى ركعتين هنا وركعتين هنا. هذا بدعة. بناها الأتراك أماكن خيام أمهات المؤمنين عاملوا عليها مساجد لما كان كل زوجة من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم في الخندق لها خيمة في المنطقة هنا عاملوا مسجد وصاروا يصلوا ركعتين هنا وركعتين هنا في مسجد عائشة ركعتين في مسجد صفية ركعتين في مسجد. هذا ليس من السنة الصلاة فيها في شيء أبدا. Donc c'est l'endroit où se trouvent les sept mosquées. En fait, ces sept mosquées ont été construites par les Turcs et elles ont été construites aux endroits où se trouvaient les campements des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant cette bataille. Et certains parmi les pèlerins veulent ou prient dans ces mosquées-là. Alors cela ne fait pas partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela est une innovation. Certains qui rentrent et deux unités de prière ici, deux unités de prière là-bas, alors cela n'a aucun fondement. Et donc dans cet endroit où se trouvent ces sept mosquées, c'est l'endroit où le fossé a été creusé. Il était d'une largeur qui ne pouvait pas permettre aux chevaux de sauter par-dessus et était également profond. Et comment est-ce qu'ils ont creusé ce fossé? Avec des pioches, il n'y a pas de marteau-piqueur. Ils creusaient avec des pioches et ils avaient des espèces de corbeilles pour débarrasser cela. Les compagnons, aussi bien ceux qui ont émigré que ceux qui se trouvaient à Médine, à l'Ansar, ont participé et le prophète lui-même a participé en personne. وجاءت قريش والأحزاب ليغزوا المدينة فوقف الرئيس رئيس الأحزاب حلفاء حلف قريش فرأوا الخندق جاءوا من نفسه ويعرفون الطرق فوقفوا فوجدوا الخندق رئيس الأحزاب أبو سفيان صخر بن حرب الأموي الصحابي الجليل رضي الله عنه الذي أسلم فيها بعد حين ذاك أو أنا ذاك لم يكن مسلما فوقف ورأى الخندق وقال إن هذه مكيدة لا تعرفها العرب هذه مكيدة لا تعرفها العرب
وصاروا في الجانب الآخر من إيش؟ من الخندق والصحابة ها هنا. ما يستطيع كيف بده، واللي ينزل مش هيطلع، عميق الحفرة. نعم. Et donc Quraysh avec ses alliés, ses 10,000 combattants sont arrivés et leur chef qui était Abu Sufyan, Sahr ibn Harb à l'époque, qui n'était pas musulman à l'époque et qui ensuite s'est converti, lorsqu'il est arrivé, il a trouvé le fossé devant lui et il a dit, puisqu'il connaissait les routes et savait donc où se diriger, il a dit ceci est une ruse que les Arabes ne connaissent pas. Et il est resté donc à ne pas pouvoir franchir ce fossé puisqu'il était extrêmement profond, celui qui descend ne peut plus en remonter. Et donc ce fossé séparait les Quraysh et leurs alliés d'une part et les musulmans qui étaient de l'autre côté. Tous les compagnons ont participé, petits et grands, à creuser ce fossé. Les hommes bien sûr. Même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. والصحابة الأنصار والمهاجرون كل شارك. tous que ce soit ceux qui ont émigré de Médine ou ceux qui les ont accueillis à Médine. وكان ذلك في فصل الشتاء البارد. ceux qui ont émigré de la Mecque et ceux qui les ont accueillis à Médine et cela avait lieu en plein hiver, l'hiver froid. وكانوا على فقر شديد. ils étaient extrêmement pauvres. ومن شدة الجوع كانوا يربطون على بطونهم الأحجار. ils avaient tellement faim que ils attachaient des pierres sur leurs estomacs. حتى لا تعمل المعدة. afin que l'estomac ne fonctionne pas. حتى لا يشعروا بالجوع. afin de ne pas ressentir la faim. وليس هم وحدهم الذين ربطوا الأحجار على بطونهم. فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. et pas que les compagnons, le prophète lui-même en personne a attaché cette pierre sur son estomac. وخرج عليهم ذات يوم عليه الصلاة والسلام وهم يحفرون بهمة وبقوة الجماعة جايين بسرعة في إنجاز لابد يكون فرآهم على هذه الحال. وقال داعيا ربه عز وجل ودعاؤه مستجاب قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة اغفر للمهاجرين والأنصار ورد عليه فنعرف إيش الرد. Et donc le prophète صلى الله عليه وسلم était venu et a vu le chantier dans lequel il se trouvait où il agissait activement puisque l'armée était extrêmement proche. Et le prophète, lorsqu'il les a vus, il a demandé, lui dont l'invocation est exaucée par Allah subhanahu wa ta'ala, et lui a dit, ô Seigneur, il n'y a de véritable vie que la vie dans l'au-delà. Pardonne donc aux Ansar et aux Muhajira, c'est-à-dire ceux qui ont accueilli et ceux qui ont émigré. فردوا عليه فقالوا نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما حيينا ابدا. Et leur réplique a été de dire nous sommes ceux qui ont prêté au prophète sallallahu alayhi wa sallam pacte d'allégeance dans la lutte tant que nous serons vivants. يعني لا يمنعنا جوع ولا برد ولا احد. C'est-à-dire la faim, le froid, ni rien ni personne ne nous empêcheront. اهل الحق صادقون حتى في مشاعرهم صادقون. Et les gens qui suivent la vérité, ils sont véridiques même dans leurs sentiments. أهل الحق صادقون في حبهم لله. Et ils sont véridiques dans l'amour qu'ils ont pour Allah. يظهر ذلك في اتباعهم السريع. Et cela se manifeste dans le fait qu'ils obéissent immédiatement. أهل الحق يحبون الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم. Et les gens de la vérité aiment le prophète صلى الله عليه وسلم. ويظهر ذلك في الاقتداء به في كل شيء. Cela se manifeste dans le fait de se conformer à son modèle dans toute chose. أهل الحق لا يقدمون شيئا على الحق أبدا. Et les gens de la vérité ne font rien passer avant cette vérité, jamais. كفى الله المؤمنين القتال. Et Allah a épargné aux croyants de combattre. ووقفت قريش في الجهة الأخرى من الخندق. Quraysh est resté bloqué de l'autre côté du fossé. 10,000 مقاتل. 10,000 combattants. بكامل أسلحتهم وعددهم وعددهم. Armés jusqu'aux dents. وسلط الله عليهم الريح. Et Allah a fait en sorte que le vent se charge d'eux. فقلعت خيامهم. Et le vent a détaché leur campement. وأطفأت نيرانهم الجو بارد.
الحاجة إلى تدفئة والتدفئة بالنار والحطب فأطفأت الريح نيرانهم. Et le vent a éteint les feux qu'ils avaient allumés parce qu'il faisait froid et donc ils avaient besoin de se réchauffer. Et le vent a éteint ce feu. وكفأت قدورهم يطبخون الطعام تكفئ القدور قلبها. Et le vent a renversé les chaudrons dans lesquels ils cuisaient leur nourriture. وأدخلت الرمال في عيونهم. Et même et le vent a fait pénétrer du sable dans leurs yeux. فما تحملوا هذا. Ils n'ont pu supporter cela. مع البرد الشديد. Il faisait extrêmement froid. فولوا مدبرين خاسرين. Et ils ont rebroussé chemin bredouille. ونصر الله المسلمين بفضله العظيم ثم بفكرة سلمان. Et Allah a donné la victoire. الخندق. aux musulmans par sa grâce et ensuite grâce à l'idée de Salman qui leur a donné, qui leur a demandé de creuser le fossé. وأهل الحق يعرفون لأهل الحق قدرهم وفضلهم. Et les gens de la vérité savent être reconnaissants et savent reconnaître les mérites des gens de la vérité. وأهل الضلال لا يعرفون لأهل الحق لا قدرهم ولا فضلهم ولا يحترمونهم. Alors que les égarés ne reconnaissent pas les mérites des gens de la vérité et ils ne sont pas reconnaissants envers eux, ils ne les respectent pas. عاش سلمان بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووفاة أبي بكر الصديق في زمان عمر لما فتح الله مدائن فارس بعد معارك القادسية وغيرها عين أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عين سلمان الفارسي أميرا على المدائن بلاد فارس. Salman est resté vivant, continue à vivre après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam et après la mort d'Abu Bakr. Et lorsque les musulmans, suite aux batailles de Qadisiyah, se sont emparés de l'Iran, Omar al-Khattab a désigné Salman comme étant le préfet de Ctesiphon, de la ville qui se trouvait en Perse. يعني أكثر من مكانه هو صغير في بيت أبيه. كل بلاد فارس عينه أميرا عليها. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ Cela est bien sûr bien plus important que le lieu où il se trouvait lorsqu'il était petit. Il s'est retrouvé à la tête de toute la Perse. Et dites-moi, la récompense de la bienfaisance pourrait-elle être autre chose que la bienfaisance? ومهما طال الظلم ضد أهل الحق فالعاقبة لهم في الدنيا وفي الآخرة. Aussi longue que sera l'injustice que subissent les gens de la vérité, ils auront toujours leur dernier mot. عاش سلمان 250 سنة. Salman a vécu 250 ans. 250 سنة. رحلة طويلة. 250. أدرك وصي عيسى. Il était contemporain de la personne qui a suivi عيسى. وسألت شيخنا الألباني قال نعم هذه الرواية صحيحة أنه وهناك رواية أخرى أنه عاش 350 سنة أيضا صحيح. J'ai interrogé mon maître Al-Albani au sujet de cela et m'a dit oui cette version est authentique. Il y en a même une autre qui dit qu'il a vécu 350 ans qui est également authentique. إحنا 350 يوم ما نصبر. Nous 350 jours c'est difficile d'être endurant. صح. C'est vrai ou non? ونصير نسب بعض ونجرح بعض ونتكلم في بعض. commence à parler les uns sur les autres. سلمان كان صامتا. parce que Salman a gardé le silence. يبحث عن الحق في صمت. a recherché la religion en silence. وبأدب. a recherché la vérité en silence et comme il se doit. ما سب أباه. n'a pas insulté son père. ولا حتى سب شيخه الأول الذي كان يأكل أموال الناس بالباطل وإنما قال كان يأمركم بالصدقة ويكتنزوها لنفسه ما قال هذا ابن كذا وأبدا بين الحق كان يأمركم بالصدقة ويكتنزوها لنفسه. ni même son premier maître qui était mauvais il ne l'a pas insulté, il a juste montré que il demandait aux gens de donner de l'aumône et ensuite il l'a gardé pour lui. أهل الحق مؤدبون. et donc les gens de la vérité sont bien élevés. واعلم أن الذي يسب ويشتم ويضرب مفلس.
Et sache que celui qui insulte, qui frappe cette personne-là, court à sa perte. والذي يفجر ويدمر مفلس ليس من أهل الحق. Celui qui fait exploser ça et là et qui détruit tout également court à sa perte et ne fait pas partie des gens de la vérité. والذي يكفر ويفعل ويفعل هذا ليس من أهل الحق. Et celui qui taxe les gens de mécréants et ainsi de suite, cela ne fait pas partie des gens de la vérité. أهل الحق يدعون إلى الحق بالحق. Les gens de la vérité appellent vers cette vérité en utilisant la vérité. لا يكرهون أحدا على دين الإسلام. Ils ne forcent personne à se convertir. يعرضون الحق بأسلوب طيب. Mais ils présentent cette vérité d'une manière attrayante. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. Et celui qui veut se convertir. لا يحاسبون الناس. Qui croit et celui qui ne veut pas, qui ne croit pas. لا يقتلون الآمنين. Ils ne tuent pas les gens qui sont en sécurité. ولا يفجرون. Ils ne font pas exploser. ولا يدمرون. Ils ne détruisent pas. ولا يقتلون النساء والأطفال والشيوخ. Ils ne tuent pas les femmes, les enfants et les vieillards. أهل الحق يرجعون إلى العلماء. Les gens de la vérité se tournent vers les savants. سلمان ما عاش إلا مع العلماء. سلمان n'a vécu qu'avec les savants. عاش لوحده سلمان. Parce qu'il a vécu tout seul. سأل عن أصل هذا الدين أين مكانه ومن شيخه. Il a interrogé au sujet de la terre de la vérité et du maître. Qui était sur cette vérité. ومن شيوخه أوصياء عيسى الذين هم علماء على دين التوحيد. Et ses maîtres sont ceux qui ont suivi Jésus qui pratiquaient le monothéisme. شيخ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Et un de ses maîtres est également le prophète صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة اللي ماله شيخ شيخ الشيطان. Celui qui n'a pas de شيخ son شيخ est en fait le diable. اللي يمشي بدماغه بهواه هذا ليس من أهل الحق. Celui qui suit ce que sa tête lui dicte cette personne ne pourra pas connaître la vérité, ne pourra pas la suivre. Il faut revenir vers les savants, vers les gens de la vérité. Les interroger sur toute chose, petite ou grande, afin de ne pas commettre de graves erreurs au sujet de l'islam. نحن قوم كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه نحن قوم أعزنا الله بالإسلام. Comme Omar al-Khattab le dit, nous sommes un peuple qu'Allah a honoré grâce à cette religion, l'islam. Et tant qu'on cherchera, ou à chaque fois qu'on cherchera l'honneur en dehors de cette religion, Allah nous humiliera. Or la religion de l'islam est la religion de la vérité. Il doit donc être présenté aux gens avec la vérité. لئلا نكون سببا في صد الناس عن دين الحق. pour ne pas être une cause ou pour ne pas causer le fait que les gens se détournent de cette vérité. قال الله تعالى فالحق أحق أن يتبع. Allah سبحانه وتعالى dit la vérité est ce qui mérite le plus d'être suivi. وقال فماذا بعد الحق إلا الضلال. Il dit également à part la vérité il n'y a rien d'autre que l'égarement. لابد أن نبحث عن الحق أيها الإخوة. devons chercher mes frères cette vérité. وأن نأتيه. et se rendre vers cette vérité. وأن نكون مع أهل الحق. et faire partie de ceux qui suivent cette vérité. وأسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وقلنا وصلى الله وسلم وبارك على محمد والحمد لله رب العالمين.